Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo sur Minecraft en compagnie de ma petite copine Blandine. Comment ça va Blandine? Mais écoute, ça va très très bien, je suis trop contente d'être là avec toi aujourd'hui mon amour. Ça fait plaisir, en tout cas regarde là où on vient d'apparaître, il y a carrément une pomme géante qui tourne juste ici. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un magasin? Oh mais Jean-Fils, ça doit être sûrement un Apple Store. Un Apple Store? Quoi? Tu penses vraiment? Bah écoute, moi ce que je te propose c'est qu'on y rentre à l'intérieur. Hop, je tue le poney juste ici. Oh hein? Non. T'es pas gentil le pauvre. Allez. C'est pas un poney en plus, c'est un âne. Ok d'accord, c'est parti les gars, on rend... What? Waouh, Jean-Fils, je vais pouvoir avoir mon premier iPhone sur Minecraft, c'est génial. Attends, il y a des iPhones partout, mais c'est incroyable. Oh, il m'a fait peur lui. Bonsoir. Bonjour monsieur. Je suis le gérant de cet Apple Store. Est-ce que vous seriez intéressé par cet iPhone juste incroyable? Un iPhone dans Minecraft? J'ai jamais vu ça, bien sûr. Vous le faites à combien? À une dirt. Voilà, c'est les soldes à une dirt. Une dirt? Blandine, tu sais ce qu'on va faire, on va acheter un iPhone. Ok, ça va, mais en tout cas, j'ai trop hâte. Alors, pour cela, il nous faut une dirt, les gars. Franchement, j'ai jamais vu un iPhone aussi peu cher. Vas-y, récupère un bloc de terre, Blandine. Et voici mon bloc de dirt. Et voici votre dû. Merci beaucoup. Let's go. Moi aussi, je veux un iPhone. Tenez. Eh bah, très bien. Tenez, madame. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur, de nous avoir vendu un iPhone pour une dirt. C'est vraiment incroyable, Blandine. C'est parti. On va tester notre nouvel iPhone sur Minecraft. Let's go! Wouhou, j'ai trop hâte. Bon, du coup, maintenant, Blandine, on a un iPhone dans Minecraft. À quoi est-ce que ça peut bien servir? Bah, écoute, c'est une bonne question. Mais moi, dans la vraie vie, j'ai un iPhone et je pose des questions à Siri et c'est vraiment chouette. Oh, j'avoue, les gars! Est-ce que vous pensez que c'est possible de demander à Siri des questions? Eh bien, écoutez, on va essayer de voir ça dans cette vidéo, les gars. J'espère en tout cas que vous allez passer un très bon moment, les gars, en espérant que Siri fonctionne avec cet iPhone qui nous a coûté une dirt. On va récupérer pas mal de bois comme ceci et on va essayer de se faire une petite table de craft pour commencer à se faire un petit stuff. Du coup, c'est parti. On va se faire un petit stuff, bien sûr. Une petite pioche, une petite épée pour bien commencer. Vas-y, Jean-Fils, il serait temps que tu poses ta première question à Siri, non? Ok, tu sais quoi? On va poser notre première question à Siri. Là, on vient de récupérer quelques bûches de bois. Je vais demander à Siri si on peut récupérer plus de bois. Dis, Siri, est-ce qu'on peut récupérer plus de bois? Non, mais voici une hache. Oh, attends, Blandine, t'as vu ça? Waouh, elle est trop belle cette hache. Attends, comment ça? Il y a Siri qui nous a carrément offert une hache de fou. Cette hache fait un maximum de dégâts. Elle est ultra badass. Par contre, on peut plus récupérer de bois. Oh, Blandine, regarde, il y a une grotte juste ici avec des squelettes. Ça te dit qu'on a tenté d'éliminer ces squelettes avec notre arme légendaire? Oh, mais Jean-Fils, moi j'ai trop peur. Mais bon, allez, je te suis. T'as trop peur des squelettes? Allez, c'est parti. On s'enfonce en plein dans la grotte, les gars. Hey, j'avoue que j'ai pas d'armure. Oh, frérot, il one shot. Attends, mais elle est incroyable cette hache. Vas-y, Blandine, tu l'es. Let's go. J'essaye. Oh oui, je suis arrivée. Mon premier kill sur Minecraft. Attends, let's go, on le tue, vas-y, je te laisse le dernier. Voilà. Chou, t'as une flèche sur la tête. J'ai une flèche sur la tête? Pas du tout, c'est toi qui as une flèche sur la tête. T'as une flèche en plein dans la face, ça a abusé. Mais... Oh, il y a un loup là-bas, je veux trop l'adopter, ça tombe bien, j'ai des os. Je vais pouvoir enfin avoir un loup, je suis trop contente. Oh, non, ça a pas fonctionné. Ah si, allez, non, ça sera pas. Oh, oui, meilleur ami pour la vie. Blandine, tu peux me donner des os, comme ça je peux avoir moi aussi mon chien. Ouais, bien sûr, tiens. Let's go les gars, est-ce qu'il n'y a pas un autre chien par ici? Oh là-bas, juste ici. Oh, il vient de tuer un mouton. D'accord, bah ok, au pire ça me fait de la viande. Merci beaucoup, allez petit loup, tiens. S'il te plaît, sois à moi, let's go. Moi aussi j'ai mon propre chien. Sauf que moi les gars, je vais personnaliser mon chien avec une petite fleur bleue comme ceci. Hop, teinture bleue. Attends, on peut vraiment faire ça? Oui, regarde là mon chien, hop, j'ai changé son collier. Oh, c'est trop mignon. Moi aussi, je veux changer son collier. Non, non, attends, d'abord, je vais poser une question à Siri. Dis, Siri, est-ce que je peux tuer le chien de ma petite copine? Non, mais elle peut. Quoi? Non, s'il te plaît, Blandine, tue pas mon chien. Non, franchement, t'abuses, là. Elle a tué mon chien. Eh, tu sais quoi, Blandine, je vais me venger, c'est abusé, les gars. Non, Siri, elle est sérieuse, pourquoi elle m'a dit ça? C'est moi ou tu viens de me frapper là? T'es sérieuse là? Hey, y a ton chien et ma graisse là! Non, mais arrête d'essayer de me tuer, hein, c'est abusé là! Non, s'il te plaît, Blandine! Je sais pas ce que t'en penses, Jean-Fils, mais il faudrait peut-être récupérer de la pierre pour la suite de notre aventure. Je suis complètement d'accord, bah écoute, demande à Siri. Dis, Siri, est-ce qu'on peut récupérer de la pierre? Oh, oui, mais une seulement! Quoi? Non, elle abuse, frère! Bah, y a de la pierre juste ici, je sais pas si t'es d'accord, bah on mine cette pierre là, hein? Bah, let's go, hein, vas-y! Let's go, Blandine! On a notre première pierre! En vrai, on va pas aller très loin.
loin avec cette pierre, hein. J'avoue que ça va être assez compliqué. Regarde, Bourny, ce magnifique village dans lequel on est. Il y a le Apple Store, il est juste là-bas. Il y a plein de villageois. Oh, et regarde, Bourny, il y a un énorme golem de fer juste ici. Oh, il est vraiment énorme, celui-là, mon dieu. Le problème, c'est qu'on a aucune armure pour le moment pour aller l'attaquer. C'est quoi, Bourny? Je vais te lancer un challenge. Ton objectif va être de tuer l'Iron Golem. Mais d'abord, on va demander à Siri. Dis Siri, est-ce que Blondine peut aller tuer le golem? Non, mais j'en fisse peu. Oh non, mais c'est abusé, je me fais arnaquer. Bon, bah tu sais quoi, de toute façon, j'ai la hache légendaire, donc le golem, je vais en faire qu'une bouchée, les gars. Let's go. Oh, wesh, il fait trop mal, le golem. Oh non, 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 attends. Oh, attends, attends, attends. Non, Blondine, oh, j'ai plus qu'un cœur. J'ai plus qu'un cœur. Non, il m'a tué, mais c'est... En tout cas, moi j'ai réussi à le tuer, t'es vraiment nul, Jean-Fils. Oh non, c'est abusé. Par contre, Bandine, tu m'as volé mon stuff. Rends-moi mon iPhone. Je te rends ton iPhone, mais c'est tout. Je garde le reste, tu te débrouilleras. Non, 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 s'il te plaît, tu me rends la hache, Blandine, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai en échange? Qu'est-ce que j'ai en échange? Un bisou? Un bisou, allez. Tiens. Merci beaucoup, Blandine. Je veux mon bisou. Voilà, bisous. Je sais pas toi, Blandine, mais moi j'ai envie de m'amuser. J'ai envie de poser une question ultime à Siri pour exploser ce village. Parce que je sais pas, moi j'aime bien la TNT. Vas-y, Jean-Fils, demande de quoi détruire le visage entièrement. J'ai trop hâte de voir ça. Ok, les gars, on va demander pour détruire le visage entièrement. Dis Siri, est-ce que tu peux me donner quelque chose pour exploser ce village? Oui, voici une TNT. T'as vu ça, Blandine? C'est une TNT x 500. Oh, c'est génial. Et en plus de ça, on en a deux. Mais attendez, mais c'est incroyable. D'ailleurs, Blandine, je te redonne ton âge, tu l'as perdu. Dis, on va les positionner où, les TNT, Jean-Fils? Où est-ce qu'on pourrait bien positionner cette TNT? Et vas-y, moi, je suis chaud, positionner une TNT dans le fond de ce puits, hein, pourquoi pas. J'avoue, trop stylé. Et moi, j'ai envie de mettre la mienne dans cette maison-là. Non, vas-y, dans l'enclos du cheval, juste ici, pour exploser les chevaux. Non. Non. Et puis, on dit pas les chevaux, on dit les chevaux, Jean-Fils. Ok, excuse-moi. Excuse-moi, Blandine, excuse-moi. Je vais la mettre ici, dans cette maison. Oh là 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 là, les gars, ça risque d'être vraiment hardcore. Les TNT ont donc été placés. Une TNT x 500, Blandine. J'ai trop hâte de faire tout péter. D'ailleurs, pour exploser cela, on va faire un petit levier, Blandine. Est-ce que t'es prête ou pas? Vas-y. Vas-y. Oh là 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 là. Je te laisse enclencher le levier et après, il faut fuir la zone, d'accord? Vas-y, 3, 2, 1. Let's go, vite, 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 Blandine. Cours, 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 cours. Ça va péter là. Viens, on retourne à l'Apple Store. Oh mon dieu, j'ai peur. J'ai peur. Oh là là, j'ai trop peur. En sécurité à l'intérieur? Non. Je sais pas, en tout cas là. Et quoi, la TNT est toujours pas pétée? Attends, c'est bizarre, hein, là. C'est bizarre ce qui se passe dans l'état actuel des choses. Oh, wesh. Il se passe quoi là? Hey. Oh là là. Non. Regarde, on a pété l'Apple Store, Blandine. Oh non. J'espère que le mec du magasin n'était pas dedans. Oh si, Blandine, regarde, on l'a tué. Oh non, le pauvre vendeur, il était tellement gentil. Il nous avait demandé juste un bloc de terre. Il nous a demandé un bloc de terre contre un iPhone. Bah écoutez, on a carrément explosé son commerce. Et par ailleurs, on a carrément explosé le village. Par contre, Blandine, il y a ma TNT qui a pas explosé. Mais what? C'est parce qu'elle était dans l'eau. Oh non, mais Jean-Fils, t'es vraiment trop nul aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe, mais tu réfléchis pas, hein. C'est quoi? Moi, ce que je te propose, on garde cette TNT jusqu'à la fin de la vidéo et on l'explose à la fin. Ouais. Trop cool, mais on la fera exploser où? On verra bien juste après. Oh, il est beau le cheval juste ici. Hop, ça dégage, merci. Non, mais pourquoi tu l'es tué? T'es vraiment pas sympa. Moi, je vais de mon côté, tu me saoules. Attends, comment ça je te saoule? Mais Blandine, il faut bien que je tue des animaux pour obtenir de la nourriture là. D'ailleurs, un mouton rose, frérot. Des moutons roses, c'est les mobs les plus rares de Fortnite. What? Blandine, t'es partie où? Non, me suis pas. Je vais jouer de mon côté avec Siri. Bye. Comment ça, Blandine est partie toute seule de son côté? Ok, les gars, comme Blandine est partie, je vais poser une question à Siri. Alors, dis Siri, est-ce que je peux suivre ma copine? Oui ou non? Non. Comment ça non? Elle est sérieuse, Siri? Je peux pas suivre ma copine? Mais les gars, c'est abusé. Moi, j'ai lancé cette vidéo pour faire une aventure avec ma copine et ça se passe pas comme prévu. Vous savez ce que je vais faire du coup, les gars? Je vais miner vers le bas, la chose à ne surtout pas faire parce que je suis désespéré, les gars. Peut-être trouver une grotte avec peut-être du diamant pour se faire un stuff complet pour battre l'Ender Dragon à la fin de cette vidéo. Oh, let's go, il y a du fer juste ici. Eh bien, écoutez, je récupère ces minerais volontiers. Ça se passe de ton côté, Blandine? Bah, écoute, moi, ça se passe très très bien. Siri est trop gentil avec moi. Franchement, je suis même en train de demander si je suis pas en train de tomber amoureuse de lui. Attends, toi, sur ton téléphone, Siri, c'est un homme? Ouais. Ah non, moi, j'ai mis la femme sur mon téléphone. Oh, attends, c'est quoi ça? Ouais, je suis tombé sur un truc bizarre. C'est quoi ce minerai? Les gars, me dites pas que c'est de l'émeraude. Ah, d'accord. Ma pioche ne suffit pas pour exploser ce truc. Mais c'est quoi ces minéraux bizarres? Oh, il y a du bleu juste ici. Je sais pas ce que c'est. Oh, wow, 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 c'est quoi cet endroit? Honnêtement, j'ai jamais vu un endroit pareil, Blandine. Si t'as envie de me rejoindre, tu peux, hein, Blandine, parce que là, il y a plein de minéraux. Je ne sais pas ce que c'est. Ah ouais? Elle ressemble à quoi, ta grotte? Bah, il y a des minéraux bleus et verts. Oh, c'est quoi ça? Wesh, c'est quoi ce truc?
What? Mais attends, moi je veux te rejoindre. Tu veux me rejoindre? Attends, c'est quoi ce mais truc ouais. qui vient de m'attraper, les gars? Mais c'est quoi ça? C'est un mob que j'ai jamais vu dans tout Minecraft. Oh, il m'a droppé une perle de Lunder. Je me demande bien à quoi ça va bien servir. Et un éclat d'améthyste. Jean-Fils, j'arrive dans ta grotte. Oh, t'es juste là. T'es sérieuse? Au final, t'as envie de me suivre, quoi. Mais ouais, moi j'ai trop envie de voir ta crotte. Ma crotte? Comment ça, ma crotte? Eh, t'abuses, bandit. C'est pas une crotte, c'est une grotte. Regarde, elle est incroyable. J'avoue, elle est trop belle. Elle est pleine de couleurs. Waouh, c'est magnifique. Vas-y, viens, suis-moi, Blandine, on va explorer cette grotte. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc, tu vois? C'est un espèce d'Enderman tout bizarre. Mais attends, Blandine, j'ai jamais vu un mob comme ça dans Minecraft. Je sais pas si t'es d'accord, mais on va poser une question à Siri pour voir si elle peut pas nous aider. Oh mon dieu, allez, vas-y, pose ta question. Dis Siri, est-ce que tu peux me donner une arme ultra cheatée pour éliminer ce mob? Non, mais en voici une pour Blandine. Quoi? Blandine, t'as récupéré une arme? Ah oui, je l'ai, regarde. Ouais, c'est quoi ça? Eh, t'es sérieuse, Blandine? Pourquoi tu m'attaques avec ce truc? Arrête! Je peux plus bouger. Mais c'est quoi cette arme du démon? Eh, Blandine, tu vas le tuer? Mais what? Là, je le tue, là. Il peut pas bouger. Allez, ah ouais, en fait, cette arme te permet de ne pas bouger. Eh, tu m'as touché, Blondie. Let's go. On a réussi à le tuer. Ils sont quand même bizarres, ces mobs, Blondie. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on retourne à la surface parce que je me sens vraiment pas bien ici. Ouais, vas-y, c'est parti. On retourne à la surface. Le soleil me manque. Attends, c'est moi ou il y a une croix juste ici? C'est bizarre quand même. Blondie, fais c'est attention. Tombe, fais attention, il y a un creeper juste ici. Oh non! Let's go les gars, la surface est juste ici, Blandine. On est enfin libre! Ouais, Doudou, t'es vraiment le meilleur. D'ailleurs, je viens d'avoir une petite idée de question que je peux demander à Siri. Blandine, je pense que t'es vraiment pas prête d'ailleurs. T'as une flèche en plein milieu de ton œil, c'est vraiment abusé. Mais oui, je sais, je me prends toujours des flèches. Est-ce que t'es prête, Blandine? Je suis prête, Jean-Fils. Dis Siri, est-ce que Blandine peut sauter de l'arbre géant juste ici? Non, mais Jean-Fils peut. Quoi? Non! C'est abusé. Oh, c'est abusé, les gars. D'ailleurs, regardez, j'ai une perle de Lunder. Donc, tu sais quoi? Je vais essayer de la mettre pour aller directement au-dessus de l'arbre. Ah, d'accord. Je me suis complètement fail. Du coup, je vais prendre la liane juste ici. C'est parti. Et je vais du coup devoir me suicider, les gars. Je ne suis vraiment pas content. Je me suis fait karmatiser carrément, en fait. De base, c'était Blandine qui devait sauter de cet arbre. J'ai trop le seum. T'as voulu faire le malin? Bah, tu tombes dans le ravin. Oh là là, Blandine. Est-ce que t'es prête pour que je saute de cet arbre ou pas? 3, 2, 1, let's go! Ouais, vas-y, saute. Non, allez, je suis mort. Je récupère tout son stuff, il va péter non, un câble. Non, non, tu me rends mon stuff et surtout mon iPhone, non, s'il te plaît, non. Blandine. Blandine, tu me rends mon iPhone, sinon je te tue, non. Moi. Ah ouais, tu veux me tuer, tu veux me tuer. Non, 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 c'est bon, ne me tue pas avec cette hache. Hé, Jean-Fils, tu sais quoi, t'es... Mais purée, Jean-Fils, arrête, hein. Bah si, tu sais si. Quoi, t'es tellement méchant. Eh ben, je vais te rendre ton iPhone et je veux plus jamais entendre parler de toi. Allez, bye. Merci pour mon iPhone, mais par contre, rends-moi le reste de mon stuff, Blandine. Ah ouais, tu veux ton stuff. Eh ben, c'est quoi, tiens, prends ça et moi, je vais jouer de mon côté. T'es sérieuse, Blandine? Bon, Blandine s'est échappé encore une fois, mais heureusement, les gars, j'ai en ma compagnie Siri. D'ailleurs, j'ai envie de poser une petite question à Siri. Dis Siri, est-ce que je suis le meilleur youtubeur Minecraft de tous les temps? Absolument. Let's go, ça c'est beau. Du coup, les gars, comme Siri a affirmé que j'étais le meilleur youtubeur Minecraft, qu'est-ce que t'attends pour t'abonner? Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Moi, je vais recommencer mon aventure depuis le début parce que Blondine m'a volé tout mon stuff. J'ai vraiment beaucoup trop de seum. Ok, c'est reparti, les gars. On se refait le stuff de base de Minecraft. Petite pioche et une petite épée. Et je vais reposer une question à Siri. Dis Siri, est-ce que je peux suivre Blandine, oui ou non? Non, et arrête de poser encore cette question. Non, mais c'est abusé, moi je veux juste faire ma vidéo avec ma petite copine Blandine. D'ailleurs, les gars, elle est juste ici. Je ne la suis pas, mais j'ai juste envie de voir ce qu'elle fait. Écoutez, Jean-Fils, il est méchant avec moi depuis tout à l'heure. J'ai envie de poser une question à Siri. Dis Siri, tu peux faire spawn la plus grande peur de Jean-Fils? On est sérieuse là? Non, trop dangereux pour lui, mais voici la pire peur de Blandine. Quoi? Mais c'est pas juste! Blandine, non, t'es sérieuse? Je t'ai entendu, t'es sérieuse? T'essayes de me provoquer ou quoi là? Mais du coup, elle est où ta plus grande peur? C'est quoi ça? C'est quoi ça? What? Blandine, c'est quoi ce qui vient de te passer là? C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Non mais ça a abusé, Blandine. Ma plus grande peur, c'est les clowns et ils viennent de me tuer. T'as vraiment peur des clowns, Blandine? T'es sérieuse? Mais je déteste les clowns, ils sont horribles, ils sont toujours moches et ils sont super malfaisants. Non mais c'est vraiment abusé, comment je vais faire pour le tuer? Moi j'ai qu'une épée en bois. T'as intérêt à venir m'aider. Oh attends, il veut quoi lui? Il essaye de me tuer, le clown, juste ici. Allez, dégage toi. Allez hop, let's go. Nice, j'ai réussi à tuer ce clown. Pour moi, la seule strat que j'ai, les gars, c'est de récupérer le stuff de Blandine juste ici et je me barre directement. Non, mais du coup, j'ai perdu tout mon stuff. T'inquiète, Blandine, j'ai récupéré le stuff. Oh là là là,
je te rends tout ce qui t'appartenait et moi je récupère ce qui m'appartenait, dont la TNT x500. Ok, ça va, ben merci déjà d'avoir rendu toutes mes affaires. Le problème en fait, si Blandine t'es morte, c'est parce qu'on n'avait pas d'armure. On a des armes cheatées, mais on n'a pas d'armure. Donc je vais demander à Siri voir si c'est possible qu'elle nous give une armure. Dis Siri, est-ce que tu peux me donner une armure ultra cheatée? Oui, il faut absolument aller aux coordonnées 440-148. Blandine, tu sais ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire que Siri a caché un trésor sur la map. Mais c'est génial, allez viens mon cœur, on y va. Vas-y, c'est parti les gars, on va aux coordonnées. Let's go les gars, nous voici donc aux coordonnées. C'est juste ici Blandine, normalement si on creuse vers le bas, on est censé trouver une armure. Est-ce que tu penses que Siri nous a menti ou pas Blandine? Non, je pense que Siri est honnête. Allez les gars, on espère avoir une armure de fou. Oh, juste ici Blandine, what? Mais non. C'est quoi cette armure là? Oh là là, merci Siri, ça fait plaisir. Attends, on va la récupérer, hop, merci. C'est quoi? C'est un casque en prismarine, d'accord. Je récupère un plastron en prismarine, des jambières en prismarine et des bottes en prismarine. Let's go, t'as vu ça? Oh, je suis trop stylé Blandine. Oh mon cœur, elle est trop belle ton armure. On dirait un cactus, tu peux m'en donner un peu s'il te plaît? J'avoue, elle est trop stylée. Tu veux que je te donne un morceau de mon armure? Bon vas-y, tu sais quoi, je vais être généreux. Je vais donner le casque et les bottes. Ouais, merci, c'est trop gentil. Vas-y, enfile-le pour voir à quoi tu ressembles toi. Hop, regarde, j'ai une tête de cactus. T'as vraiment une tête de cactus effectivement. Blandine, en vrai je suis content parce que tu m'as laissé rejouer avec toi sur ce monde. Donc tu sais quoi, j'ai peut-être une surprise pour toi. Dis Siri, est-ce que je peux offrir un cadeau à ma petite copine Blandine? Non, mais tu peux en faire un à moi. Quoi? Oh non. Blandine, je voulais te faire un cadeau, mais en fait Siri elle veut pas que je t'offre un cadeau, donc je dois offrir un cadeau à Siri. Aïe aïe aïe. Du coup je vais crafter un coffre et on va faire une donation à Siri. Est-ce que ça va fonctionner, oui ou non? Qu'est-ce que je peux bien donner? Ma TNT? Blandine, est-ce que je donne ma TNT? Ouais, bon, non, t'es fou, c'est trop gros ça. Ouais mais en vrai j'ai rien comme... Vas-y, bah tu sais quoi, je vais donner mon arme légendaire, mon hache légendaire. Et du coup je vais mettre Siri dans le coffre. Du coup voilà, j'espère que Siri est content. Elle a eu son dû. Attention, elle a bien récupéré. C'est pas toi qui l'a récupéré la hache quand même hein Blandine? Non non, c'est pas moi, c'est vraiment elle. C'est un truc de fou. Ok, nice, j'espère que ça va fonctionner. Bah du coup Blandine, j'espère que tu m'en voudras pas. De base je voulais t'offrir un cadeau. Non t'inquiète pas, c'est pas grave. Et Jean-Fils, j'ai une petite idée d'expérience que je pourrais demander à Siri. Dis Siri, est-ce que je peux rétrécir comme une fourmi? Rétrécir comme une fourmi? Oui. Oh, what? Oh. What Blandine, qu'est-ce qui va... C'est quoi, qu'est-ce qui vient de se passer là? Mais pourquoi je suis géant? Mais je suis toute petite moi. Ah bah t'es devenue une fourmi. Oui. Tu es minuscule, m'écrase pas. Mais c'est n'importe quoi les gars. Mais Blandine, pourquoi t'as demandé ça à Siri? C'est vraiment pas drôle. Ah mais tu me fais peur, t'es vraiment trop grand, moi je pars. Je suis géant. Regardez la vitesse dans laquelle je peux me déplacer dans une jungle, c'est carrément abusé. Mais what? En vrai je pensais pas, mais c'est trop bien d'être géant. Fais gaffe Jean-Pierre, il y a un creeper juste ici, tu peux m'aider à le tuer s'il te plaît? Tu veux que je t'aide à l'éliminer? Attends, je vais poser quand même la question à Siri. Dis Siri, est-ce que je peux éliminer ce creeper juste ici? Non mais tu peux tuer un gros. Quoi? Comment ça, je peux pas tuer ce creeper là, mais je peux tuer un gros? Ouah, c'est quoi ce truc là, Blandine? C'est un creeper mutant, ou c'est quoi là? Oh mon dieu, il va me tuer, s'il te plaît, fais quelque chose! Attends, mais j'essaie de le tuer, mais le problème c'est que je suis géant, je suis beaucoup trop. Oh nice, j'ai réussi à le tuer! Oh là là! Wesh, il vient d'exploser! Oh! Oh Blandine, regarde, je suis en train de rétrécir! T'as vu, je suis plus aussi grand qu'avant! Oh, t'as vu? C'est un truc de fou! Non! Je vais redevenir comme avant! Oh non, c'est dommage! En vrai, ouais, c'était trop bien! Doudou. Hey, quoi? Non! Hey Blandine, il se passe quoi là? Oh non, Namour, t'es tout petit! Non, mais Blandine, je suis devenu un nain! Mais c'est abusé! Non, je me suis fait avoir! T'es trop mignon comme ça, Doudou! Regarde l'immense grotte qui est juste ici, Blandine! Oh, attends, t'as vu, je prends des dégâts de chute quand je saute tellement que je suis petit, c'est abusé! Oh non, ça va aller, Doudou! J'espère que ça va aller en tout cas. Oh, Blandine! What? Quoi? Y'a du diamant! Doudou, mais t'es tellement petit que je te vois plus! Tu me vois plus, c'est moi qui suis devenu une fourmi. Blandine, y'a du diamant juste là, vas-y, tu sais quoi, on va essayer de le récupérer. Ah! Attends, y'a un squelette juste ici, on va le tuer quand même. T'as vu, Blandine, il y a du diamant juste là. Tu peux le récupérer à ma place parce que moi, je suis beaucoup trop petit pour le récupérer. Ça va, Jean-Fils, je les ai récupérés. Nice! Du coup, t'as deux diamants. Ouais, c'est ça, je vais pouvoir crafter une épée. Une épée? Et là, je ne pense pas. Attends, j'ai envie de poser une petite question à Siri. Dis, Siri, est-ce que Blandine peut utiliser ses diamants pour crafter une houe? Oui! Non mais franchement tu saoules hein Jean-Fils, moi je voulais crafter une épée. Allez, tu vas devoir crafter une houe complètement inutile juste ici, je t'ai mis une table de craft. Franchement Jean-Fils tu saoules hein, moi je voulais absolument avoir une épée en diamant et à cause de toi je dois avoir une houe. Ouais mais en même temps c'est moi qui ai trouvé les diamants en premier Blandine. Bah moi
je trouve ça pas cool que tu respectes pas ta femme. Voilà, oh. J'ai ma ou. Super, quoi. Une ou en diamant, le truc le plus inutile de Minecraft. Franchement, Siri, elle commence à m'énerver. Je crois que je lui posais une question. Dis, Siri, est-ce que tu peux me donner un objet au hasard? Oh, bien sûr. Oh, regarde, Jean-Fils. J'ai reçu un lucky block. Non, la chance que t'as. Bah, après, c'est un lucky block. Soit il a de la chance, soit il est malchanceux. Non, Jean-Fils, moi, en vrai, je suis sûr que je vais avoir de la chance. Attends, attends, avant de casser, moi, je me cache derrière. Oh, oh. Quoi? Ça va, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance. Oh non, Blandine, t'es morte. Les gars, Blandine, elle est morte, c'est trop incroyable. Non mais vraiment, t'es sérieux de te foutre de moi comme ça, Jean-Fils? Bah oui, Blandine, en plus de ça, t'as plus de stuff, t'es toute nue, t'as plus rien du tout. T'es sérieux de rigoler de moi comme ça? Mais tu sais quoi, regarde ce que je vais demander à Siri. Dis, Siri, est-ce qu'on peut bannir Jean-Fils? Comment ça, oui? Quoi? Yes. Quoi? Allez, vous êtes bannis de ce serveur? Eh, hey, Blandine, t'es sérieuse? Eh, hey, la vie de ma mère, les gars, que je vais me venger, elle a osé me bannir de ce serveur. En tout cas, tu peux cliquer juste ici pour voir une autre vidéo, juste là si tu n'es pas encore venu. Ah, ma chaîne YouTube, et pour moi, par les amis, on se dit à la prochaine, et tchuss.